est Bou? Où est Bou? Dis-nous, où est Bou? Il faut le trouver, c'est tout. Dans un château, dans la jungle, ici ou là-bas. Il faut trouver Bou, tu sais qui sera là. Dis-nous, où est Bou? Il faut le trouver, c'est tout. Bonjour les enfants, savez-vous où est Bou? Il est là! Bonjour Bou! On fait un jeu aujourd'hui, Bou? On joue au fermier dans son pré? Alors on joue à chat perché? On va jouer à Bou! Il faut trouver Bou! Nous sommes dans une forêt. J'entends les oiseaux chanter. Et moi de l'eau. J'entends de l'eau couler. C'est une rivière. Tous les arbres poussent à l'envers? Mais non, c'est leur reflet. Ils se reflètent dans l'eau. Qui est-ce? Bou! C'est Bou! Tu as raison. Voyons si vous pouvez le trouver à nouveau au bord de la rivière. L'eau coule tout doucement. J'aperçois des poissons. Il faut être très prudent au bord d'une rivière. Regardez là-bas, j'ai entendu quelque chose bouger dans les roseaux. J'aperçois une touffe orange. Bravo, voyons si vous pouvez le trouver à nouveau. Il veut qu'on le trouve encore une fois. Qu'est-ce qu'on entend? Le bruit vient de ces grands arbres. Attention, il y en a un qui tombe. C'est un animal avec une jolie fourrure marron et une queue toute plate. C'est un castor. C'est lui qui vient d'abattre cet arbre. Il a des dents drôlement pointues. Il faut bien pour ronger le bois. Le castor ronge. C'est le castor qui ronge. Où est-ce qu'il s'en va? Il transporte le morceau de bois dans la rivière. Il sait nager, regardez. Qu'est-ce que c'est que ce tas de boue et de branchages? C'est un barrage, il empêche la rivière de couler trop vite. Il y a une sorte de réservoir d'eau sous l'autre monticule de bois. C'est un autre barrage. Non, c'est la maison du castor. On appelle ces barrages des digues et sa maison est une hutte. Où est-il encore parti? Qu'est-ce que c'est? C'est un serpent à rayures. Non, ce n'est pas un serpent. C'est le tigre qui grogne. Courons vite! Courons vite! Waouh! Un gros ours brun. Il y a un poisson! Il a sauté de l'eau! L'ours essaie d'attraper les poissons. Il pêche. L'ours pêche. C'est l'ours qui pêche. Regardez tous ces canards. Je sais qui est le dernier. C'est le canard qui rit. Eh oui, c'est moi, je me suis fait de nouveaux amis. Quelle chute, mes amis, c'est trop rigolo. Regardez, les herbes bougent. C'est peut-être Bou qui se cache derrière. Ce n'est pas Bou, c'est l'ours qui dort. Mais d'où vient tout ce bruit? Chut, partons sur la pointe des pieds. Quelqu'un se cache derrière l'arbre. C'est Bou! Bravo, vous avez trouvé Bou. C'était Bou! Cherchons-le à nouveau. Regardez cet oiseau aux longues pattes. C'est un héron. Il essaie d'attraper des poissons lui aussi. Il penche son long cou et les capture avec son bec. C'est le héron qui penche le cou. Regardez comme il se tient immobile. C'est pour que les poissons ne sachent pas qu'il est là. Il attrape un poisson et il le mange. Mais où est Bou?
Le castor retourne à sa digue. C'est peut-être là que se cache Bou. Il y a un autre castor. Je n'en suis pas si sûre. Il a des cheveux orange. Bou! Bou le castor! Bravo! Vous avez trouvé Bou. Qui d'autre avez-vous découvert au bord de la rivière canadienne? Le castor qui ronge! Il coupe des branchages en les rongeant avec ses dents pointues. Il construit des digues et la hutte dans laquelle il vit. L'ours qui pêche! Il a une belle fourrure brune. Il attrape les poissons dans la rivière avec ses pattes. Le héron qui penche le cou. Il saisit les poissons avec son bec. Et on a trouvé Bou! Bou le castor de la rivière! Voyons si vous pouvez aider Bou à terminer la digue. Il a pris un morceau de bois. Faites semblant d'en porter un vous aussi comme Bou. J'imite Bou le castor, je transporte un morceau de bois. Il nage. Je remue les pieds, je nage moi aussi. Je remue la queue comme lui. Regardez, moi aussi je nage. Je connais personne qui remue la queue mieux que moi. Bou, le castor est arrivé à la digue. Il faut essayer de la construire la plus haute possible. Je pose mon morceau de bois au-dessus de tous les autres. J'ai construit une petite maison en bois moi aussi. Regardez. Oh, oh, oups. Bou, le castor tapote les morceaux de bois avec la boue. Je les tapote moi aussi. Comme Bou et le tigre qui grogne. Ça y est, la digue est terminée. Youpi! Nous avons aidé Bou le castor à finir la digue. Juste à temps pour notre petite chanson habituelle. Cette chanson s'appelle « Chercher l'intrus ». J'adore ce jeu. Nous devons trouver qui est l'intrus. Celui qui est différent des autres. Cherchez qui est l'intrus. L'intrus. Différent. Oui. Cherchez qui est l'intrus. L'intrus. Différent. Vas-tu trouver l'intrus. L'intrus. Pas pareil du tout. Sois aux aguets, tiens-toi prêt, maintenant on joue. Oui. C'est l'ours qui pêche. Un ours qui pêche, avec Bou on l'a vu. Un de plus sous nos yeux, et ça fait deux. Le tigre qui grogne, les rejoint sans vergogne. Et un ours de plus, alors qui est l'intrus? Je vois trois ours qui pêchent, et seulement un tigre qui grogne. Alors celui qui est différent c'est... Le tigre qui grogne. Héron au long cou, avec Bou on l'a vu. Un de plus sous nos yeux, et ça fait deux. Voici l'ours qui dort, qui arrive dans le décor. Et un héron de plus, alors qui est l'intrus? Je vois trois hérons qui penchent le cou. Et un seul ours qui dort. Alors qui est l'intrus? L'ours qui dort! C'est le castor qui ronge. Un castor qui ronge, avec Bou on l'a vu. Un de plus sous nos yeux, et ça fait deux. Le canard qui rit est venu aussi. Et un castor de plus, alors qui est l'intrus? Je vois trois castors qui rongent, et seulement un canard qui rit. Alors qui est l'intrus? Le canard qui rit, oui! Oh, mes canards qui rient! Tu pourrais faire plus attention! Regarde, maintenant je suis tout trempé! Oups! Désolé! Et attendez, où est passé Bou? Il est encore parti se cacher! Il faudra qu'on le trouve la prochaine fois! Qu'on jouera à Bou! Au revoir! Il faut le trouver, c'est tout. Dans un château, dans la jungle, ici ou là-bas. Il faut le trouver, Bou, tu sais qui sera là. Dis-nous, où est Bou? Il faut le trouver, c'est tout. Bou, Bou, Bou.